Et coucou mes petits salés, comment on va? La forme en ce jeudi de canicule incroyable. Je suis de retour de vacances sur Monster Hunter. On va rester sous une ambiance un peu caniculaire, un peu soleil sur. Attends, je suis sur Bordeaux, ouais, Monster Hunter. Donc, comment ça va, un petit salut, comment ça va, Tanoki, la forme, putain, t'es déjà là, ça fait plaisir, tu m'attendais. On est de retour après une dizaine de jours de vacances, deux semaines presque 2 semaines, on est de retour sur Monster Hunter. Et ça fait plaisir, putain, j'avais grave envie de jouer. Alors par contre, comme vous le voyez, je suis sur Monster Hunter, mais je suis sur le mode entraînement. Parce que là, je charge une fiole. Alors, renforcer l'épée. Tac. Alors, attends. Attends. Comment je renforce le bouclier? Ah, mais. Ah, putain. En fait, je me souviens plus de ce que je devais faire. Ah non, je me fais chier. Du coup, je passe pas vite. Ah oui, tu as toujours pas ton PC. Ah, attends. J'essaie de me souvenir. Comment je fais pour charger mon bouclier? Alors, je fais tac. Non, c'est pas ça. Je fais tac contrôle et je fais hop. Non, c'est pas ça. Putain, et j'arrive pas à les bloquer. Attends, alors attendez. Non, faut que je passe en blanc. Méga attaque montec, attaque morpho, attaque. Alors, non. Et là, je les charge. Voilà. Une petite RTX 2070. Ah putain. Pourquoi t'es. Pourquoi c'est. Oui, autorisé sur le chat. Alors attendez. Je cherche comment. Putain, j'ai oublié. Putain, je m'étais entraîné. Alors, j'ai chargé mes trucs. Donc, là, je suis comme ça. Et ensuite, c'est. Non, c'est pas ça. C'est. Ah non, alors c'est comme ça. Non, je fais ça. Ensuite, hop. Non, c'est pas ça. Alors, attends. Je cherche. Désolé. Alors, je me transforme. Tac. Voilà, ok, je donne le contrôle ici. Ok, d'accord. Ensuite, hop, j'attaque. Je vais en mettre dedans hein, parce que la voltoache c'est toujours assez dur. J'en ai marre, il fait trop chaud. Ouais, non, mais j'ai un ventilateur qui me balance de l'air chaud là. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Je me rends pas compte. Donc, résultat, hop, je continue. Alors, ça a chargé mon bouclier. D'ailleurs, mon bouclier, je me passe comme ça. Et là, d'accord, ok. Faut que j'ai pas utilisé assez le bouclier. Donc, là, hop, je charge. Et donc, normalement. Je fais comme ça, hop. Ah merde, attends, non. Alors, attends, on se remet dedans. Tac, je passe en H. Là, ensuite. Non, je prends les deux. Hop. Non, c'est pas ça. Ah putain. Ok, je repasse en H. Et là, je prends les deux. Voilà, ensuite. J'attaque. Je recharge mon épée. Bon, qui est complètement pas aiguisé du tout. Mais c'est pas l'intérêt, c'est on retrouve le combo. Tu posais un steak sur moi, il cuisait instantané. Je pense que tu cuisais un steak dans la rue, il cuisait instantané même. Il cramait instantané. Et là maintenant, je reprends ça, je recharge, et là je recharge. Mais non! Attends, comment je fais? Ah oui, et je clique là comme ça. D'accord. Et là j'ai fait de la merde. Hop, deux. Et là, je défonce tout. Là, je défonce des cuges. Là, je repasse en H. Hop. Et si je me souviens avec les deux attaques. Voilà. Ok. Donc on est dedans, on est dedans. Faut que je me remette dedans. Hein. Ça va mettre. Aujourd'hui, j'ai. Ouais, moi aussi ça m'a rendu fou. Aujourd'hui il m'est arrivé des trucs.
Genre, je me suis retrouvé à la porte de. Genre, déjà, la chaleur, ça me fait perdre la tête un peu. Je deviens fou, je renverse tout ce que je trouve, tout ce qui est sur mon passage. Mais là, je me suis retrouvé, j'ai oublié les clés de mon bureau dans le bureau. Donc, j'ai dû aller chercher. J'ai dû aller chercher. Alors, attendez. Hop, là, je suis chargé. Ok, non, et là, je fais de la merde. Donc, là, je me charge. Hop, tac, tac. Non, bah non, bah non. Ah mais je suis obligé de. Alors attendez, si je fais ça, hop. Voilà, tac. Et ensuite, rempli de nouveau. Ah ouais. Et pourquoi t'as dû pas sortir? Et donc ouais, je me suis retrouvé à la porte de chez moi et en même temps je devais aller chercher un panier de légumes. Perpète les oies. En fait, la clé était la double de la clé était chez une voisine qui était en vacances, mais une autre voisine profitait que la voisine soit en vacances pour squatter un peu l'appart parce que parce qu'on a un ascenseur et elle ça l'arrange. Et donc j'ai dû aller chercher encore à perpète la double la clé de ma voisine pour récupérer ma double chez ma voisine, chez mon autre voisine. Et arrivé chez moi, et ensuite j'ai pas trouvé mes. J'avais mes micro cartes SD pour mes drones, je les trouvais pas. Mais franchement, ça me rendait fou! Fou! Et j'avais chaud, je faisais le moindre mouvement, j'avais chaud. C'était insupportable. Bon, écoutez, on va. Ah ouais, alors pour. Pourquoi quand je fais shift? Hop, prendre des pierres quand même. Sait-on jamais, hein, quelques pierres. Là, mon PC, résultat, il est out. Donc, on va passer sur une config un peu plus normale. Je peux pas. Ah non, c'est si je veux me casser, c'est à l'autre là-bas là que je dois aller parler. Ça fait maigrir à rien foutre, mais bon, oui, c'est une façon de voir. C'est le relativisme. Mais moi je voilà. Et donc j'ai essayé de bosser aujourd'hui, j'ai fait un petit montage à l'arrache et tout, j'ai fait un truc à 30 minutes, une petite vidéo spéciale qu'on peut retrouver sur Twitter ou ma page Facebook pour mon retour que j'ai tourné au drone. Non, mon PC il est ouvert parce qu'il a chaud. Donc j'ai tout ouvert pour qu'il ait moins chaud. Maîtresse, c'est pareil, vous avez converti le poste de recherche en dirigeable dans une souris, ça mérite une récompense. Je peux désormais vous aider à envoyer vos chasseurs de miaoustres sur le terrain. Il suffit de sélectionner et d'organiser un safari depuis le menu. Ouais, ça je savais. Ah oui, j'avais envoyé des trucs en safari. Mais ça, je peux le faire encore de là. Désert. Alors, eux, ils sont déjà en quête 3. FMX, Mixic, Cajoline. Voilà, ok. Désert des termites. Ok, pour l'instant, eux, ça se passe bien. Obtenir pour un safari récompense en courant. Ok, os aussi. Oh oui, c'est pas mal. Carapace de Questodon. Ouais. C'est pas mal. C'est du farm gratuit. Tout prendre, oui. Ouais, c'est du farm gratuit. Il continue. Alors, Askip, je peux déménager dans des quartiers privés. Ouais, complètement. Complètement, on va se casser des prolétaires. Oh bah oui. Bah oui. Tout à fait. Bonsoir Jinzu Sentan, comment va? La forme depuis la dernière game qu'on a fait là il y a 10 jours. Je suis pas censé fumer ici, mais je meurs de chaud et ouvrir la fenêtre c'est pas possible. Alors voyons mes nouveaux locaux. Ah ouais, ça a déjà plus de gueule. Là je me sens chasseur un peu. Je me sens chasseur. Chambellan. Alors le chambellan, lui. Alors coffre. J'ai quoi là-dedans? Attends. Revoyons mon inventaire. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans ma sacoche. Il y a peut-être des trucs qui me servent à rien. Fiole vide, baissoin, une baie mystérieuse, noix fumigène. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du craft et tout. Ondulite, herbe du sommeil. Donc légèrement, mais extrêmement résistante. Artisanat. Ah, je peux peut-être faire des trucs. Méga nutriments. Alors ça, c'était pas mal. Grande bombe baril. Viande empoisonnée. Poudre à canon.
Fiole de poison, toxique. Alors ça, les munitions, je m'en fous pour l'instant, j'utilise pas de munitions. Par contre, j'aurais pas dit non à faire des potions, mais j'ai pas d'herbe. Vite teuf, j'allume le PC, le radiateur est à 40 degrés direct. FMXR, c'est mon palico. Oui, c'est le tien. Ouais, parce que vous m'avez envoyé gentiment vos cartes de héros, c'est ça, et c'est grâce à ça. Oh, je peux m'asseoir sur le lit, j'avais pas vu. Ah non, je peux m'asseoir que d'un côté, par contre. Mon palico, il a que de la merde là, en équipement, je crois. J'ai chaque raiment pris. État du palico. En attente. Déployé. Équipement. Il a pas grand chose. Ouais, voilà, je lui avais mis 2-3 trucs. Bombe vite à guêpe. Ouais, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Pelle grand féline. Ah, et je peux lui mettre d'autres trucs. Coiffe en cuir féline. Ah ouais, mais ça, il l'a des... ça c'est ce qu'il avait de base. Non, il a rien d'autre. Il y a même les palicots des joueurs rencontrés, il semble, mais pas sûr. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, je suis obligé de cliquer pour m'en aller. Putain, faut que je m'en mette dedans. Ouais, t'as loupé. Premier truc que j'ai fait, me remettre dans le combo de la Volto H, histoire de pas trouver que je vous humilie. Tu es déjà arrivé de l'autre côté, je savais que je pourrais compter sur toi. Je dois te faire part des conclusions auxquelles ils ont arrivé. Je suis en pleine forme, hein. Les vacances ça m'a fait du bien. Il pense que cette créature contient une quantité de bioénergie phénoménale. Et cette bioénergie est extrêmement instable. Donc j'ai pas mes lunettes, hein. Il fait trop chaud pour porter des lunettes. Donc excusez-moi si je bafouille. La bioénergie, donc on va chercher un moteur nucléaire, quoi. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Ok, ok. Alors je ne sais plus ce que j'avais à faire. Parler à la capitaine de la troisième flotte. Elle là-bas là. Énergique de la cinquième. Eh toi, au lieu de te tourner les pouces, que dirais-tu de me donner un coup de main? La vieille dame du conservatoire botanique a besoin d'aide pour son engrais, mais comme tu peux le voir, je suis débordé. Vraiment, tu veux bien t'en occuper? Quel soulagement, je suis bien contente que tu sois avec nous. Énergique de la cinquième. On va faire des petites quêtes de merde, hein, parce que j'en ai pas trop fait, j'ai fait que de la principale pour l'instant. Je refais un petit tour. Biologiste ingénieux, toi tu me rapportes rien. Y a qui... Ah, c'était lui là. Lui, archive archéologique. Est-ce que j'ai un nouveau truc? Zora indique le prochain écofact. Information, grand jagra, ouais. Et donc, résultat, je fais quoi? Je peux pas cliquer. Indique le prochain écofact. Information, niveau suivant. D'accord, et maintenant, quand je vais dans le bestiaire, en fait. Forêt ancienne, désert des répartitions. Ok, ouais, pour l'instant j'ai que ça. Plateau de corail. Le Tidzi Yaku, c'était lequel ça? Ah oui! Ah oui, c'était l'autre petite merde qui ressemblait à un raptor qui faisait de la lumière. Et j'ai vu à la fin, par contre, on va baisser, j'ai déjà essayé pour m'accomplir, je vois pas du tout, c'est même pire. Alors moi je sais pas si c'est mieux ou pire en fait. Attends, faudrait que je. Je sais plus, j'ai quoi comme logiciel comme pour. J'avais un truc. Je retrouve. J'avais un logiciel. Un logiciel pour avoir la température. Il faudrait peut-être que je le prenne. Moi, j'ai pas assez d'aération sur. WD Access. Non, c'est pas ça. Moi j'ai pas assez d'aération sur mon PC en fait, résultat je suis obligé de l'ouvrir, il y a une vieille plaque en plexi, j'ai l'impression que ça garde trop la chaleur. MPC, je vois même plus c'est quoi le logiciel que j'avais pour prendre la température. Mais allez, on est de retour. Bon, je me balade un peu, je suis de retour de vacances, laissez-moi tranquille. Et je sais plus ce que j'avais à faire. Faudrait que j'aille à la forge rapidement. Putain, cet escalier est interminable. Peut-être, mais j'ai pas l'impression que c'est opti actuellement avec la chaleur qu'il fait. Parce que je suis complètement de la merde. Il suffit de s'inscrire aux quêtes chameau, sa bosse et Ormo à gogo et de les mener à bien. Abattre 11 chameaux. Livrer 10 ormeaux sacrés. Ok.
Alors ouais, un petit tour à la forge. Mais pourquoi ça me fait quand je fais Maj Z? Normalement. Ouais, c'est ça. J'ai trois ventilateurs sur pied qui tournent, je suis quand même trempé. Ouais, bah moi j'en ai un et une clim. Moi j'ai une clim, ma clim ne sert à rien, j'ai l'impression. Ah, une mission. Le problème c'est que je vais avoir besoin de matériaux spéciaux, alors j'ai porté l'invrision. C'est pas très violent, mais ça reste toujours mieux que de te tourner les pouces, connard. Ok, alors, ouais, c'est pas ça que je voulais, moi. Alors, forger, forger. Alors, fusée arbalète, canne sec, organisé. Alors, attendez, alors, j'avais vu que moi, j'avais un combo qui était pas foufou. Fiole élémentaire, élément foudre, tranchant, attaque, 304, affinité de 10%. Ok. Donc, il me faudrait des trucs un peu mieux, armure. Je sais plus, j'avais fait quoi dans mes listes de souhaits? Aura de purge. Aile de Ornithor. J'avais vraiment souhaité ça là? Souhait? Ajouter, retirer. Non. Tab info talent. Réduit temporairement la perte d'endurance. Augmente la puissance des attaques élémentaires de feu. Donc, ça, c'est pas fou. Qu'est-ce qui pourrait me booster en électricité? Pour l'instant, j'avais fait des trucs ici. Bouclier Radobon. Alors ça, c'était quoi? Ça me faisait quoi? Augmente la puissance des afflictions de type sommeil. Ok, ça, je m'en fous en fait. Permet d'étudier plus facilement les monstres. Oui. Oui, ça peut être intéressant. Il y a la Rathalos. Coiffe de printemps. Ah, c'est les nouveaux trucs. Il faut quoi pour faire ça? Ticket printemps, cristal de terre. Ah, il faut de la thune. Chose que j'ai pas. Pantalon de gala, queue de pipe de gala, ticket anniversaire, os de monstre. Ah, ok, j'ai pas du tout ça. Masque Odogarodon. Foudre moins 2, foudre moins 2, foudre moins 2. Ah, mais j'ai pas du tout de thune dans tous les cas. Couronne en lingot. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ça fait quoi? Augmente la puissance des afflictions de type paralysie. Ah, ça peut être pas mal parce que j'ai des trucs de type paralysie. Donc il me faudrait peut-être du gyros. Augmente la résistance contre les du Val putride. Ah, ça peut être pas mal aussi. Augmente la puissance des palicots. Ouais, c'est intéressant. Augmente la résistance contre la paralysie. Ouais, c'est intéressant. Maestro prolonge la durée des maladies des cornes basses. Ouais, j'aime bien le gyros. J'aime bien le gyros. Il y a des trucs intéressants. Beaucoup trop. Ah, le Lamu, ça a peut-être des protections. Accélère la récupération d'endurance. Ouais, c'est pas mal. Permet de monter sur les monstres plus facilement. Ah, c'est pas mal. Augmente la puissance des attaques explosives. Ouais, moins. Ça m'intéresse pas. Une chance prédéfinie de réduire les dégâts que vous subissez. Ok. Ah, ça peut être pas mal. Je vais ressembler à rien, mais. Alors, par contre, armure, je peux vraiment rien faire là parce que mes chaussures elles craignent un peu du cul, non? Améliorer. C'est cette Radobon. Qu'est-ce que je peux améliorer? Alors, le casque Anjanarath. Cuirasse Radobon. Sphère d'armure. Ok, ah oui, c'est avec les sphères d'armure lourde. D'accord, ok. Avec les sphères. Ça coûte du pognon. Ok, bon bah on va aller farmer de la thune. Enfin je te le dis, crave pas les armures événements maintenant, je peux pas te dire la suite sous risque de spoil. D'accord. Et bah on va aller farm de la thune. Hein. Je sais pas comment je dois faire. Eh putain, mais ça m'envoie vraiment de l'air chaud là, le ventilo là. C'est pas possible. C'est bien pour débuter. C'est-à-dire tout ce qui est métal, lingot et tout ça. Ah, c'est pour. Ok, bah, je vais aller voir ça. Comptoir des quêtes. Bon, pour de la thune, faut que je fasse les petites quêtes, je pense. Ce sera plus rentable. Alors. Ça, c'est toutes les missions principales. Ça, je m'en fous. Libre.
On va les faire dans l'ordre. Compléter. Chasse aux champis. Vas-y, on va la faire. On va la faire si vous voulez rejoindre pour m'aider à la chasse aux champis. Où est-ce que j'en ai le plus? Oh, on va aller faire un petit tour au camp 11. Hein. Voilà. Oui, lingot de fer par exemple, parce que c'est plus facile et rapide à farmer à contrario des monstres. Ah bon? Mais c'est moins fun à farmer, non? Tab en attente annulée. Bon, let's go. Hein, je m'en fous. Joseph des talents, j'ai pas avancé pour faire un stuff opti. Bah merci. D'où je suis pas avancé? Qui a dit ça? Qui est l'imprude? Les quêtes récoltes consistent à rapporter des objets spécifiques appelés objets bonus. Pour obtenir ces objets sont livrés automatiquement et ne sont donc pas ajoutés à votre sacoche. Livrer des champignons. Son objectif consiste à récupérer et livrer certains matériaux. Première étape, les trouver. Merci. Alors, il va falloir que je me remette dans les contrôles. Hein. Alors, comment je les trouve? Oh là, il y a plein d'indications là. Alors, attends. Comment j'ouvre F? Il y a plein d'indications sur la map là où je rêve. Alors, il me faut des champis délicats, champis nitro, champis paralysie, champis vénéneux. Dame poison, sport en lit, rocher suspendu. Viser avec la fronde pour les faire tomber sur des cibles. Pourquoi ça m'apporte ça? Collecte minerai. Ça c'est déjà gras. Des gageots, des paralycrapauds. Qu'est-ce que je dois récupérer en fait? Un champignon. Alors ensuite moi j'ai un water cooling d'ailleurs sur mon PC. Champignon bleu, tous les champignons? C'est quoi les champignons délicats? Non, ce n'est pas de sub vraiment spécial, ils ont pas beaucoup de PV. Comment ça? Les monstres, les gros... Oula, je rame un peu du cul. J'ai une petite latence. Semi latence. Ouais, de l'herbe. Il me faut de l'herbe parce que j'ai pas assez de potions. Moi perforante, ouais, je m'en fous. Est-ce que c'est ça là? Est-ce que ça c'est bon? Collecte champignons. Parfait, tu as tout ce qu'il faut. Je vais indiquer sur la carte l'endroit où tu vas trouver ces matériaux. Ok, champi vénéneux. C'est les champis vénéneux en fait que je dois niquer. Champi XI, champi. Est-ce que c'est ça? Non, champignons des cartes. En fait, c'est tous les champignons quoi. Ah oui, attends. C'est ça? Champi vénéneux. Non, c'est pas les mêmes. Ah, l'icône connecte. Champignon. L'icône collecte. Ça ressemble à ça, mais ça ressemble pas à ça. Ça ressemble plus à ça, ouais. Ça, c'est merde là. L'icône collecte. Attends, donc moi aussi j'ai un AOI de 240, et même avec ça c'est payé sur 45 très vite. Ah non, mais moi je monte à 60 degrés gros. Champignon vénéneux vita guêpe. Gun de ténacité. L'icône connect. Ah fleur. Maintenant fleur. Pas ça, champignon. Ah, c'est ceux-là, donc je dois aller par là-bas. Ok, donc, je fais demi-tour. Ouloulouloulou! Ah, je fais vite demi-tour même. Ouloulouloulou! Oh putain, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis rouge là?
Je monte à 70 en jeu. Ouais, bah je vais être par là. Attends, je suis perdu là. Je suis passé par où là? Ah, mais comment j'accède ici là? Ah, je dois monter. Ah, je dois monter, putain. Je dois monter en arrière. Ah, c'est plus que c'était la cueillette de champignons. Moi, je me rappelle, on prenait un bout de bois, on allait dans la forêt et on soulevait les feuilles. Puis voilà, on trouvait des champignons. Maintenant, il y a des dinosaures, des dragons. Ah, c'est la merde, quoi. Attends, attends. Ils sont où, ces putains de champignons? Ah, bah, ils sont là! Bah, en fait, ils sont. Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai quand même la grosse armure pour accueillir des champignons, quoi. C'est plus ce que c'était. C'est sur la carte, sur l'icône, ça la met en target. Et... ah, bah voilà, c'est C. Ah, mais non, faut que je m'en mette dedans. Hein. 2 semaines sans jouer à rien du tout. Ah, puis Monster Hunter, c'est quand même beaucoup de contrôle à savoir. Hein. Champignon délicat. Oh, ça, j'aime bien ça. Petite carcasse là, ça, c'est gratuit. Hop. Cela aussi. On fait encore beaucoup. Ah, il m'en manque plus que quelques-uns. Ah, cela. Ça, je crois que c'est pareil. Bah, c'est bon, j'ai fini avec cela. Ah, ah putain, il m'en manque un. Ah, la garce, les gonaises. Ah, bah non, c'est bon. C'est juste mon PC à ramer. Mon PC galère. Non, c'est pas Ico qui en a récupéré. Ah, génial. Donc quoi, c'est utile. Un peu. 6 minutes. Champi bleu, un mer insecte, des eaux anciens, tout prendre. Ouais. Tout prendre, je veux tout. Et ça, c'est les trucs du palico. Ouais, un petit os de Wyvern. Le palico qui carry, et ouais. Pas besoin de copains, moi j'ai un chat. Comme tous les gens qui ont des chats. Et à Brabelle là, en fait. Comptoir des quêtes. Quand je le dis toujours, quand il s'agit de nourriture, en cas de doute, il faut que tu goûtes. C'est un dicton un peu dangereux. Si tu penses qu'il y a du poison, teste-le, tu verras bien. Alors, il me faut de la thune encore. Pris la griffe dans le sac. Les Kuluyaku manipulent les pierres et œufs avec les bras préhensibles. Ah, d'accord. Poisson à croque. Extermination dans le désert. Capturer un Kuluyaku. Comment je fais? Avec leurs bras préhensibles. Comment je fais pour capturer un Kuluyaku? Dans la partie écoulée, c'est venir 3 fois. Kuluyaku tué. Ah, vas-y. Tranquille, tout va bien. Allez, c'est parti, on va capturer un Kuluyaku, je ne sais pas comment. Mais on va y arriver. Piège électrochoc ou piège à fausse, plus 2 bombes tranquillisantes. Mais est-ce que tu crois que j'ai ça? Est-ce que... non, j'ai pas ça, moi. Là, dans le coffre, ils m'ont sûrement tendu. Ah oui? Oui, c'est vrai que... c'est vrai qu'ils donnaient ce genre de truc, des fois. Résultat, si je me foire. Alors, donc, si je pour le capturer, faut qu'il ait la tête de mort. Putain, je suis en train de fondre en direct. Je préviens, à un moment, je vais prendre une pause pour aller prendre une douche froide. Bien glacée, c'est mort. Alors, pour capturer un monstre, vous devrez affaiblir suffisamment le monstre. Donc, la tête de mort, piéger le monstre, utiliser un tranquillisant pour capturer le monstre. N'oubliez pas de vous équiper des pièges et des tranquillisants nécessaires, comme par exemple piège, électrochoc, piège à fausse, bon.
Les tranquillisants sont inefficaces si le monstre n'est pas suffisamment affaibli. Continuez. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que je souffre, en fait. Je souffre vraiment beaucoup. Et ça fait 2 semaines parce que je les avais oubliés en vacances, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas mis mes lunettes, mais je vais fondre 2 fois plus. Donc il m'aide à attaquer jusqu'à ce que la vie du monstre soit assez basse, oui. Parce que le monstre devient très faible, il commence à traîner la patte. Essayez d'attaquer, placez stratégiquement vos pièges. Si vous tuez un monstre par exemple, la clé de se capture sur le... Lorsqu'un monstre est en danger, il tente de rejoindre son nid pour y récupérer ses forces. Sélectionnez vite un piège, comme le piège électrochoc, et placez-le sur le chemin du monstre avec eux. Si le monstre tombe dans votre piège, c'est presque dans la poche. Vous pouvez également installer des pièges autour du nid pendant que le monstre dort. Une fois le monstre pris au piège, sélectionnez un tranquillisant, puis appuyez sur E pour lancer sur le monstre. Essayez de viser sa tête pour un effet immédiat. Vous pouvez également utiliser des munitions tranquillisantes. La capture d'un monstre remplit les conditions de réussite des quêtes de chasse. Capturer un monstre, vous ne pourrez pas le déposer, mais vous obtiendrez à l'écran des résultats de quête des récompenses autres que celles offertes pour l'avoir abattu. Compris ? Oui ! Nickel, leur tuto, je l'ai jamais lu. Ça, c'est parce que t'as joué aux anciens. Tous les noms du besoin pour capturer un monstre, n'oubliez pas les montres tranquillisantes. Ah bah voilà. Montres tranquillisantes, les grenades. Alors ça c'est à la fin. Ah, j'ai un piège électrochoc. Ah, c'est tout. Attends. Mon inventaire là. Il est où mon inventaire? Comment j'ouvre mon inventaire? Boîte à fourniture. Pourquoi je peux pas le prendre là? Potion. Comment j'accède à mon inventaire? Comment j'accède à mon inventaire? Mon inventaire, c'est pas ça. Sélectionner un objet, viser front de carte, se baisser, dégainer, contrôle. J'ai pas d'inventaire en fait là. 7-1. Non, pas de fusée de détresse. Échappe, sacoche. Ah! Sacoche. Ah ouais, j'ai beaucoup de conneries. Est-ce que je vais pas faire du craft, hein? Vas-y, je vais faire des méga potions, ça c'est pas mal. Comment je fais? Fiole de poison, fiole de paralysie, fiole explosive. Confirmer. Bah ouais, confirmer. Création automatique. Ah oui, d'accord, ok. Faut que je clique là. Faut que je m'en mette dans les contrôles. Désolé. Fiole de poison, champi vénéneux, fiole vide, herbe du sommeil, fiole de... enduit qui confère un effet somnifère aux flèches. Ah oui, mais ça c'est pour les flèches, hein, c'est de la merde. Viande empoisonnée, bombe tranquillisante. Oh, des petites bombes tranquillisantes supplémentaires, ça peut toujours être intéressant. Toxique, de la merde. J'essaie de faire de la place. Catalyseur. Ça sert à quoi ça? Mélange à d'autres matériaux pour améliorer leur effet inutile seul. Miel, la mer insecte. Améliore votre capacité naturelle à récupérer de la vie. Oh, ça c'est pas mal. Ah, mais il me faut des catalyseurs. Voilà, et normalement, ma sacoche est légèrement vide. Et j'ai plein de trucs qui me servent à rien. J'ai des noix. J'ai plein de trucs qui me servent à rien. Noix aiguille, noix. Putain, faudrait, je... voilà, j'aurais dû. Ah, mais attends. Si je me souviens, je peux aller au camp. Bah, d'ailleurs, si tu veux, on fera un set de base. Quand tu enregistres un set que tu vas en mission, tu récoltes des trucs. Tu reviens de mission, net, charge ton set prédéfini, ça remet tous les autres tout seul dans ton coffre en stockage. Ah oui, pour les items, d'accord. Pour, je peux faire un set d'items pour quand je vais en mission de base. Et tout le reste, ça va dans mon coffre. Donc, de toute façon, là, je peux vider mes trucs, là. Ça, par exemple, ça, j'en ai pas besoin. Non, merde. Alors ça, comment je... Deux déposer. Hop, ça me sert à rien. D'hélicoptère, c'est que ouais, ça je m'en fous. Noix perforante, ça je m'en fous. Ça c'est pour les munitions. Ça aussi je m'en fous. Catalyseur, ça je m'en fous aussi. Herbe de feu, ça je m'en fous. Ça je pense je m'en fous. Et puis vénéneux, ça aussi je m'en fous. Voilà, c'est pas mal. Ouais, on va se casser avec ça. Je perds du temps.
Et là maintenant je peux prendre ça. Voilà. Et ça c'est quoi? Kit de piège. Un outil pour. Ah je peux. Ah oui. Alors attends. Je peux faire avec ça, je peux faire des pièges. Coffre, équipement. Coffre. Artisanat. Remède d'herbe. Ah et je peux en faire plus des trucs ici. Boissons, des pièges. Qui sont mes pièges? J'ai pas appris à faire des capsules aveuglantes. J'ai pas de quoi faire des pièges en fait pour l'instant. Okay. Ta maman. Bah c'est pas grave, on va se démerder avec nos pieds. Ouais c'est pas mal. Ouais voilà, un peu de récolte. Des herbes, sérieusement. Qu'est-ce que c'est ça? Mousse de lune. Ah, de la mousse de lune, ouais. Oh, des minerais. Voilà, toujours un peu de minerais. Alors, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais en tout cas. Alors, c'est la merde là que je dois choper, c'est ça? C'est lui. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. Il est où le Kuluyaku? C'est un Kuluyaku, c'est ça qu'il faut que je chope. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Non, c'est des fouchères qui bougent au fond. On va voir si je me souviens du combo dans. Qu'est-ce que c'est ça? Pyridion! Kesako! Un fruit du désert des termites, dur à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. D'accord. La performance, on s'en fout. C'est lui là! Tu vas où, connard? Reviens! Il part là-bas, là? Ah, et le tuto, c'est vraiment sur le premier que j'essaie de capturer. Ah, c'est lui, là-bas. Je le vois. Il m'attend. C'est bien, il tape le bolos. Reviens. Reviens là, la loquée. Wouh. C'est pas moi qui tape. Hop. Voilà, tu crois quoi toi? Reviens! Wouh! Ah oui! Oh! Putain, ça lui a fait lâcher son caillou quand même! Wouh! Putain, il a lancé un boomerang, non? Reviens, j'ai pas fini avec toi, mon arme est à peine chargée là. Je suis dispo au vocal si jamais tu as besoin, ça va plus vite que d'écrire, ok. Bah, je chasse le petit Kuluyaku et tu me donneras un petit tips. Alors, il doit être par là. Il est dans le coin là. Il est où? Broche BBK, il me faut quoi? C'est quoi? C'est. Ah, c'est ça.
C'est ça qu'il me faut. Reviens, arrête de bouger. Ah putain, tu m'as fait décharger mon arme. Reviens. Mais tu me saoules. Ah là là, faut que je m'en remette dans la caméra. Oula. Arrête de bouger. Ah ouais, mon arme n'est pas du tout aiguisée. Je viens de voir. C'est peut-être le moment pour le faire. Ouais, c'est parfait. Le calico est en train de s'en occuper. On va une bonne cachée, c'est espérons que ça marche. Qu'est-ce que. C'était quoi le. Quelle cachette? Moi je veux pas me cacher moi. Non, ah bah non, mais non. Voilà, je suis désolé, mais non. Ah ouais, il faut que j'apprenne à bouger vite. Oh non, mais non, mais non, il y a un autre. Il y a un autre connard là derrière. Il va me le tuer. Wouh. Ah ouais, ça y est, c'est la fête à mon cul. Ah mais putain, bah oui. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Parce que un, c'était pas assez. Et c'est vrai qu'une bonne reprise, un monstre, c'est pas assez. Deux. Il boite là? Non, il boite pas là. Il faut que je... Oula. Oula, 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 oula. Ouloulou. Fuite, fuite, fuite. Mais pourquoi je sens qu'il est derrière mon... Ah non, c'est bon, il n'est pas derrière mon boule. Capsule de feu, non, je m'en fous. Pourquoi j'ai plus qu'une bombe tranquillisante? Ne bouge pas! Non, c'est pas ça, c'est faut que je fasse ça d'abord. Hop. Non, alors la touche mal. Qu'est-ce qu'il fait? Mais j'en ai pas besoin de ta vie, ta guêpe. J'en ai pas besoin, mon frère. Je suis déjà full. C'est pas des plus utiles des fois, le Paiko. Wouh! J'ai eu de la chatte. Oh putain. Hop, et maintenant, je le défonce sa mère. Bien, ta proie a l'air affaiblie. Ah le bâtard. Non. Non, non, t'étais pas tranquillisé là? Piège électrochoc. Ah non, je suis inutile. Ah non, je suis inutile. Ah, je suis inutile. Je suis inutile. C'est le sbeu bon combo. T'as vu, je vais me remettre dedans tranquille. Reviens. J'ai plus de piège. Ne bouge pas. Aïe. La salope. Ah, full de mes bouboules. Avec quoi je pourrais endormir là? Cette faille de qualité. Ah putain, bah mais je connais pas les contrôles encore. Mais non. Ah putain. Reviens, arrête de courir. Maintenant il faut le piège, go au camp, il doit en rester. Bah non, il y en avait qu'un. Je peux pas le bomber tranquillo comme ça là. Viande crue, canapé de capture. Pied de capture, je peux pas le tenter là?
Ça ne marche pas. Guisoire, premier soin, baie. Livraison, vita guêpe, boisson énergétique. Mais il n'y a plus de trucs. Il est où le camp le plus proche? En plus, il est à Perpète, le camp le plus proche. Le camp le plus proche, il est là. Et lui, il va aux barottes. Ah, il n'y a que ça à faire. Comment je... Je peux pas y retourner. Abandonné, fils de retraite, compendium, intendance. Il n'y a pas un truc pour... Non, il faut... Alors, il faut que tu le craftes. Il y a de quoi le craft sur la map. Ah ouais, et comment je le craft? Avec quoi? Du cactus? Peut-être du cactus. Tu peux cliquer sur le camp pour t'y TP. Ah! Ça c'est une info importante. Mais est-ce que je l'ai la recette? Artisanat. Piège électrocheux. Oh, je peux en faire un. Oh, je peux en faire un. Mais résultat, il est où ce bâtard? Bon, bah j'en ai un. C'est nickel ça. Je ne le savais pas. Il est où là maintenant? Il va aller par là, donc il va aller à droite. Le loup pas cette fois, il est où? Ouloulou! Pourquoi je peux pas le poser? Pourquoi je peux pas le poser? Allô? Pourquoi je peux pas le poser? Allô? Allô? Il y a des zones où tu peux pas. Et là, je peux pas. Là, je ne peux pas. Là, il me dit va te faire foutre, quoi. C'est pas possible. Et là, je peux pas, là. Il va où là le coup, il est cool là. Où est-ce qu'il va là? Il va nulle part. On sait pas où il va. Il est sur moi là. Ah, il est plus baissé le bâtard là. Non, bon esquive. Aïe! Ah, ça y est, je commence à sentir mes lunettes qui fondent. Wouh! Calme-toi! Là il est pas mal, là il est bien là. Et là je l'ai. Attends, là je l'ai. Non! Ne bouge pas. Ok, maintenant. T'es
T'es sérieuse? Mais qu'est-ce qui se passe là? Non mais non, mais non, mais putain. Mais ta maman. Mais j'en ai marre. Ah, mais j'ai pas le truc encore. C'est pas bien de se moquer. Ouais, je voudrais vous y voir. Abort the mission. Abort the mission. Non. Artisanat. Je suis sûr que je peux en faire un encore. Piège, attaque. Ah, il me faudrait des foudres insectes. Où est-ce que je trouve des foudres insectes? Je need litchi. Ça me donne quoi ça? Non, ça me donne pas. Ça me donne rien. Ah, foudre insecte, il y en a ici. Regarde zone 8. Ah oui, c'est pas mal. Merci, merci. Donc faut que je vise et que je clique ensuite, comme si je tirais. Le Kuluyaku, il m'a vu là. Ah, je récupère pas les écofacts. Je fais de la merde. Oh là, c'est beau, putain. Des fois. Ah ouais, d'accord, il y a ce genre de merde ici. Pas mal, pas mal. Des volants, tout ce que je déteste. Toujours de la merde dans les jeux vidéo, les volants. On se souvient. Des Tower Defense sur Warcraft 3, comment c'était de la daube, les volants. Où ça? Où ça? Où ça? Je suis aveugle, c'est ça là? Ah oui. Voilà, j'en ai un. Ah, je peux en faire un. Bon, maintenant faut que je retourne au gros tas de merde. Pas être pressé. Non, pas besoin de viser, tu le mets tout près de... tu les mets tranquille tout près de lui. Mais j'étais sur sa gueule. Bordel. Oui. Moi, pourquoi je pouvais pas les utiliser. Ah, merde. Okay. Ça, c'était bien utile tout ça, dites-moi. Il est où le bâtard? Il est là. Il est là, il est là. Allô, allô. Mais tu vas te laisser faire un peu. Mais tu me saoules. Hop. Maintenant. Objectif. Oui, c'est bon? Hein? Quoi? Il est stun? Tu ne peux pas déposer un monstre. D'accord. Le jeu, il a dit c'est bon. Moi, j'accepte. Hein. Oh putain. Ah ouais, c'est bien. Putain. Et bah, il nous aura appris que si on l'électrocute deux fois, il est stun. Ouais, effectivement. Après avoir utilisé je sais pas combien de capsules à poison pour essayer de le capturer. Ah, résultat, y a pas mal de trucs de Kuluyaku, pot de couille. Ah, y a masse de trucs de Kuluyaku. Tout prendre. Bah oui. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, c'est le moment tuto, c'est l'instant tuto. On va se retrouver avec Jinzu pour qu'il m'apprenne à faire des sets d'objets. Ça peut être pas déconnant. Alors, attends. J'ai sur... Oula! Sur Discord. Avant, je meurs. Je meurs de chaud. Vous êtes des ouf, comment vous faites pour supporter ces chaleurs? On est de retour ce soir en stream. Comment? Bah, on supporte difficilement. Je suis en âge là, comme tu le vois, il y a de l'eau partout sur mon visage. Déplacer vers les cuisines et on accueille Jinzu en cuisine. Bonsoir Jinzu, comment va?
Yo. La forme. Comment? Comment va la forme? Ouais, on essaye. Ouais, on essaie de pas mourir sous la canicule. Ça me fait penser que j'ai pas appelé mes grands-parents aujourd'hui, j'espère qu'ils vont bien. Alors, tu me parlais de 7 qu'on pouvait prédéfinir pour. Alors, faut que je retourne au bled, peut-être. Ouais, faut que tu retournes à l'extérieur. Alors, si je me souviens, je fais ça. Je fais le menu, carte du monde. Et Astera. Marché. Ah bah, je vais aller au grand pont. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre à Monster Hunter. C'est beaucoup de choses. C'est vaste. Beaucoup de choses à savoir, même au niveau des contrôles, même des habitudes. Il y a tellement d'objets. Short Lumu, matériaux récolté, requis récoltés. C'est-à-dire, c'est que j'ai la thune, c'est ça. Alors je suis sur mon grand pont là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me faire un set prédéfini d'objets? Il faut que tu ailles au coffre déjà. Ouais. Et je vais dans inventaire, c'est ça? Allô? Ouais. Bah, j'attends le retour du stream. Donc du coup, ouais, tu vas dans inventaire. Gérer les 7. Et ça, c'est les 7 prédéfinis, c'est ça. Et donc je vais Ouais, dans un 7, gérer je les fais 7, 7, c'est les 2. 7 que t'enregistres. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu me conseillerais? Ah merde, non, d'accord, ok, non, en fait, non, ok, d'accord, faut que je fasse mon 7 d'abord. Bah là, t'en avais déjà fait un sur le 7, hein. Oui, mais c'était de la merde, je crois. Oui. On va dire que pour l'instant, c'est hors par défaut. Confirmé. Qu'est-ce que je. Déplacer, c'est je déplace tout. Ah non. Déposer. Ah, il n'y a pas moyen de tout déposer d'un coup. Ah oui, non, mais tu restes appuyé sur eux. Bon, Bon, les les trucs de fioles. technique là. Ouais, voilà. Les fioles, c'est juste pour les flèches, résultat. Ouais, c'est ça, c'est pour un craft des flèches Donc ça me sert à toxiques. rien pour l'instant. Tant que je prends pas Ouais, pour d'arc. toi, pour l'instant, ça te sert à rien. Moi j'aime bien souffrir, je vais rester sur la Volto H. Ça fait. J'aime bien. C'est bourrin. Alors, merde, j'ai quitté sans le vouloir. La chaleur me fait faire n'importe quoi. Donc qu'est-ce Les que je pour. munitions et les viols, tu peux et les fioles, tu peux les retirer aussi, ça Ouais. viendra pas. Ouais, mais munitions, résultat, bah je m'en fous en fait. Je les laisse au cas où. Dans tous les cas, je les utilise pas. Et c'est un emplacement juste pour les munitions. Ça me fait pas d'emplacement d'objets en moins. Alors en fait, c'est qu'à chaque fois, tu peux en récupérer dans le coffre quand tu fais des Ouais. missions. Du coup, comme ça, tu peux remplir ton coffre. On ne sait jamais si un jour Ah. tu joues les canons. Ah, je pense que je vais jouer un jour les canons. J'attends de pouvoir faire Ouais, des c'est gros ce que coups. j'ai fait. J'ai aucune munition ni fiole. Et puis, à chaque fois qu'on fait une quête, bah, je récupère ce qu'il y a dans le coffre. Ouais. Vu que je sais que personne s'en sert. Alors, du coup, là, tu vas pouvoir mettre les. Méga potion. Alors, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai. Alors, ce qui fait Donc. un icône Oui, vert. non, mais je vois à peu près. J'ai des méga potions. Et j'ai plus de potions ainsi, moi. Ah non, j'ai des nutriments. Tu peux mettre aussi des potions normales. Là, t'en as pas de craft, donc il va J'en falloir que ai. tu fasses retour et Ouais, artisanat pour en artisanat. craft au moins. Ouais, ça. Poudre de vie. Piège électrochoc. Oh, je pourrais en faire d'avance aussi. Ah, je ne peux pas. Pourquoi je peux pas faire de potion? Herbe, zéro. J'ai pas de. Hein? Ah oui, t'as pas d'herbe. Bah si, j'en ai 6. Faut que je me le mette dans l'inventaire. Artisanat. Ah, est-ce qu'il faut que je l'ai dans l'inventaire? Mais pourquoi je peux pas le craft? Matériau insuffisant. Attends, c'est pas des herbes que j'ai là? Ah non, c'est du lierre!
Ah, ça se ressemble un peu. Hein. C'est un peu plus sombre. C'est un peu plus sombre. Mais légèrement. Mais je pensais que c'était normal. Il y a un truc où je peux acheter là, ici, sur le grand bah, pont. Ouais, au début, tu te trompes pas mal. Y a rien au grand pont là où je peux acheter des herbes. Y a pas une petite boutique à la con. L'herbe, tu peux la faire pousser dans le l'herboriste, je crois que ça s'appelle. Ah, mais je sais pas comment ça marche. Ça, c'est encore des trucs que je n'ai pas. L'habitude. Si, il me semble que tu l'as dès le début. Non, que je n'ai pas imprimé, on va dire, mentalement. Il est pas sur le grand pont, l'herboriste, il est en bas. Oui, je me doute. Je vais aller voir. Il est au marché. Le marché est tout en bas, quoi. Ouais, c'est ça, au premier. Oh, la chaleur. En plus, le résultat avec le green screen, ça me fait un petit espace où l'air ne circule pas. C'est tellement le feu. Littéralement. Alors, l'herboriste, où est-ce qu'il est, ce teuteux? Est-ce que tu vois... Ouais, tu regardes le tableau des quêtes, c'est à droite. Tu montes des petits escaliers. Tableau des quêtes, c'est à droite. Ouais, c'est là où il y a les plantes. Ah oui, herboriste. Botaniste relax, c'est ça? Ouais, voilà, botaniste. Bah non, il veut pas parler, lui. Il veut pas me parler. Ah non, c'est lui, là. Recherche botanique. Cultiver. Alors, culture en cours. Culture disponible. Engrais récolté. Ah ouais, il y en a masse, là. Tout prendre. Oh putain, ouais, c'est vrai que j'en avais... Caisse de récolte. Ouais, okay. Du coup, tu fais cultiver et herbe pour l'instant. Ah oui, t'en avais déjà. Bah, ouais, j'en avais masse. Engrais. Ah, je peux mettre de l'engrais, compost. Gelée secret, compost, un engrais. Qui favorise ouais, la présence gros, des choses. Avec la production tu mets de l'engrais et toutes les deux quêtes, faut que tu remettes de l'engrais. Ok, bah j'en mets un peu, voilà, un petit peu d'engrais. Ah ouais, ça va faire en 4 gros, herbes par quête. C'est marqué ça... durer une fois, tu remets de l'engrais. Pour okay. Que ça dure continuellement. Ok, faut que je repasse là par là, dans le coin. Yeah. Faut y penser quoi. C'est un coup de main à prendre. C'est comme recharger ses. Son. Ah. Comment son... Sa sacoche à chaque fois, faut sans prendre le coup. Ah oui, il y a un truc aussi que j'ai vu, c'est normal, tu connaissais pas. C'est à chaque fois avant de partir de mission, faut aller à la cantine prendre un repas. Ah d'accord, ok. Ouais, j'y pense de temps en temps, mais je le fais pas tout le temps, c'est vrai. Tu auras 50 de vie et 50 d'endurance à chaque fois. Donc au lieu d'être à 100 de vie et 100 d'endurance, tu seras 150, 150. Alors attends, j'ai plein de contrats là. Wyvern volante, apiculture, cueillir 5 complétés. Capturer une wyvern volante, ouais, on verra ça plus tard. Tu prends celle qui donne le plus de sphères d'armure et celle qui donne le plus de points de recherche. Ah, j'ai pas regardé ça. Ok. Comme. Point de recherche. Ah oui, d'accord, ok, c'est marqué. On propose des nouvelles. Exploration complétée, 3 contrats. Dès que tu les as finis, puis tu j'ai mes réponses. Te dit requête complétée, et du coup, quand tu vas lui parler, il te donne les rewards. D'accord. Compléter 4 quêtes dans une région spécifique. D'accord. Okay. Donc, tu m'as dit un petit repas, bah écoute, on va aller faire ça. Ouais, seul et spécial, c'est une fois par semaine. T'as une semaine pour les faire. De quoi aller? Ah oui, les requêtes spéciales. Ouais. D'accord, je croyais que j'étais sur menu spécial. C'est hebdomadaire. Alors que les requêtes normales, c'est bah, tu les fais quand tu joues. Je suis littéralement. Putain, je vais aller chercher une serviette pour. J'ai l'impression d'être un boxeur ouais, sur pareil, un ring. J'ai pris un linge mouillé sur les épaules pour pas mourir. Ah, mais moi, on m'a dit extra sort, j'y tiens. J'ai pas envie d'avoir de l'eau. J'ai pas envie d'avoir de l'eau sur ma chaise. Ah oui, c'est sûr, en stream. Non, mais même, ça fait des vieilles taches dégueulasses, c'est chiant à nettoyer. Commander bon, Zeni, surprise du chef. Sortir un torche. Vie plus 20, y'a quoi? Surprise du chef, allez! Ouais, toujours prendre la surprise du chef, c'est la plus intéressante.
Oui. Oh putain, j'ai faim. Je me suis fait péter la panse pendant une semaine en vacances. T'étais resté en France? Ouais, j'étais en Normandie. J'étais à la plage en Normandie. Sur les plages de Normandie. Ah bah tu devais être bien là-haut, il devait pas faire trop chaud à la plage. Ah il faisait chaud de ouf, mais il y avait l'eau. Mais tu vas dans l'eau, donc c'est ça la différence. C'était quand? C'était mardi, il faisait tellement chaud, le sable, tu ne pouvais pas rester dans le sable. Ouais. Tu pouvais pas rester dans le sable parce que le sable était brûlant, mais il brûlait vraiment. Genre tu sortais de l'eau, tu restais 30 ou 40 secondes, tu pouvais marcher grâce à l'eau sur le sable, mais ensuite si tu finissais pas à l'ombre ou sur en fait non, juste à l'ombre, tes pieds étaient cramés. Ouais bah oui, je me doute. Et au niveau de l'air, c'était pas plus frais que... L'air, ouais si, non, quand c'était la canicule la mardi, c'était en mode l'air était chaud. Genre on était en voiture, j'avais mis mon bras, tu sais quand t'as un peu chaud, tu mets ton bras et tu prends un peu d'air frais dehors, et là l'air, on aurait dit, il sortait d'un four. c'était et on me raconte, et je pensais au fait que j'allais rentrer à Paris, et là à Paris c'était le cauchemar. Extermination dans le désert, abattre 14 Vespoïdes, easy. Vas-y, on va faire toutes les petites quêtes de merde. Récolter un peu de thunes. Bon, je pense qu'il y a des trucs... Comment on récolte de la thune? En faisant des quêtes, c'est ça? J'ai besoin d'argent. Allô? Allô, allô? Ouais. Je disais, comment on récolte de la thune? Je pense m'en douter. Comment? J'ai pas compris. Comment on récolte de la thune? Ah, de la thune. De l'argent, des bros ouf. T'en récoltes le plus, c'est dans les contrats. En général, t'as des contrats qui donnent beaucoup d'argent, surtout quand il y a plein de monstres. D'accord. Et à chaque fois que tu divises par deux les thunes que tu récoltes à la fin. Comment genre ça? Si tu devais ramasser 50 000 à la fin du contrat, si tu meurs une fois, tu ramasses plus que 25 000. Ah d'accord, ok. Ouais, bah, je vais éviter de mourir. Et si tu meurs encore, c'est plus 25 000, c'est 12 500. D'accord. Sympathique. Bon, on va éviter de mourir. Ah, donc comme je suis mort, comme il y a des missions, je suis mort comme une merde. Les fioles, et sinon, là à 2h du matin, il va y avoir les événements estivaux. C'est-à-dire, il va se passer ils quoi vont remettre, pour les vacances d'été, ils vont remettre tous les, yo, tous Aka. Les événements, tous les festivals. D'accord, donc, ok. Coup, ah, ça commence à partir de 2h. Il va y avoir une quête qui va donner du pognon. D'accord, ok. Comment va Aka? Oui, je suis encore en vie, j'ai survécu aux vacances, mais là je suis en train de mourir à petit feu. Littéralement un petit feu. Un cauchemar. Bon, faut que j'aille où avec les Vespoïdes là? C'est où ces merdes? Questodon. C'est les moustiques. Ouais, là, faut que je trouve des merdes, des Vespoïdes. Tu peux en trouver. Tu peux en trouver la zone 8 là au-dessus, tout en haut. Alors, résultat, je suis allé chercher les... Ah bah putain, ils m'ont trouvé en fait. Ça va, ils sont venus à moi. Là, ils sont à côté, là, ils me cherchent. Voilà. Mais, et résultat, j'ai pas fait mon set d'objets parce que je suis inutile. Ça chasse quoi ce soir? Ce soir, ça ferme un peu la thune, là, je fais les petites missions tranquilles. Pépouze pour reprendre. Merde, loupé mon attaque. Ah mais c'est trop chiant, ça vole, ces merdes. Comment je me l'ai fait? Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ça va, c'est des tapettes à mouches, c'est des tentes. On tue des moustiques pour l'été. Fait bon, hein, l'orage était jouissif. Y'a eu un orage? Sérieux? Attends, à Paris? Je l'ai loupé. Putain, merde, les fenêtres étaient ouvertes chez moi en bas.
Là-bas de 14 moi, esprits. Tu peux. Attendez, attendez, je vais regarder à ma fenêtre quand même. Ah ouais, mais attends, si je reste là, y a une merde qui va m'arriver sur la gueule et je vais mourir. Ouf, t'es beau, espèce de no-life. Mais les volets, c'est pas les volets, c'est les rideaux qui sont fermés déjà. Et les rideaux sont fermés pour pas que la lumière du soleil ne chauffe l'appartement. Venez là! Venez ici! Venez les boss. Vas-y, venez. Il y en a deux autres qui viennent à moi là. Oh, ouais, ils se prennent un coup d'épée, ils tombent. Descends un peu! Attends, attends, attends. Pourquoi je fais ça moi? Ah ouais. Attends, reviens! Ah non, il m'a stun. Ah le bâtard. Eh mais putain, il me saoule! Bon bah, je vais. Farmer ses potes. Il y a une pique tropicale qui a duré 30 minutes. Génial! Bah écoute, ça sera frais dans mon autre appart. Parce que là pour l'instant je peux pas trop ouvrir. Non mais ça serait bien qu'il pluie, qu'il pleuve un peu plus. Genre une petite journée de pluie. Je ferais trop du bien. Ah voilà, il est de retour. Reviens! Arrête de bouger! Ah je déteste les volants putain. Mais ouais, et toi pas de vacances encore à Academia? Personne n'est parti en vacances. Mais c'est... Non mais c'est bien, ils viennent tous à moi, genre je les ai butés, mais par contre ils descendent toujours à l'étage en dessous. Ils sont relous de ouf. Hop là. Voilà. Ah bah y a pas de cadavre, d'accord. Ok, bon bah plus que 5. Tout va bien. Non, je pars en août, je me fais 10 jours en Bretagne. Moi, je vais peut-être aller en Bretagne, je pense qu'on va se faire un petit road trip encore une semaine en août. Avec ma copine, pour aller un peu partout faire du drone. Et faire du camping. Et on va peut-être faire une petite halte en Bretagne. Ou aller dans le sud aussi, je pense. Alors, bon bah, résultat, il m'en manque 5, mais il n'y en a plus qui viennent à moi tout seul. Y'en a plus là. Il m'en manque 5. Petit. Allez là, y en a toujours des moustiques là quand on veut pas. Et là maintenant que tu les chasses, ça va se cacher. Eh mais putain, mais vraiment le ventilo il m'envoie de l'air chaud quoi. C'est relou. Et ouais, je peux pas trop ouvrir la fenêtre pour la simple bonne raison que j'ai des voisins. Quoique là, la plupart sont en vacances, je pourrais ouvrir un peu. Où est-ce que je vais? Alors, il m'a dit la zone 8, Jinzu. Bah, je suis dans la zone 8. Nickel, ça. Alors, par contre, il y a autre chose, il y a aussi des volants. Ah, mais des fois, il m'envoie de l'air chaud, des fois, il m'envoie de l'air froid. Vraiment près du 8. Oula, il y a un peu de monde. Coucou tout le monde, comment ça va? Le retour des cuisines, je ferme le jour et j'ouvre le soir perso. Bah ouais, mais moi j'aimerais bien faire ça, mais le soir je stream. Donc, et comme j'ai une cour intérieure fermée, où quand tu parles un peu, tous les bâtiments des environs l'entendent, je peux pas trop faire de bruit. Alors avant je me gênais pas, mais maintenant je vais éviter d'attirer des problèmes à ma copine. Ah oui, on chasse des moustiques, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Ah, je crois qu'il y a un volant qui m'a repéré. C'est quoi ça? Oh, de la pierre. Petit foudre insecte. Ah, toi là. Wouh! Ils sont où les autres? Ah. Mais reviens! Là, toi! Ah putain! Non! Non! Calmez-vous! Je chasse les moustiques! Vous m'intéressez pas!
Ah, putain d'insecte là qui m'a cassé les couilles pendant les vacances. Putain. Alors, c'était cool parce que on avait la mer qui était pas trop loin, mais juste à côté de là où on était, là chez mon pote, on avait des marais. Et je vous laisse deviner que les marais, il y a des choses bien sympathiques là-bas. Oh, ça m'intrigue ici, qu'est-ce que c'est? Je peux pas aller là-dedans? Non. Donc résultat, il y avait tout le temps des moustiques. Et le soir, quand je revenais de la plage ou de la soirée et tout ça, je me posais souvent sur le balcon et je me faisais dévorer par les moustiques. Genre un amas de chair fraîche, tous les soirs, à 2h du matin, venait se poser pour fumer ses cigarettes avant d'aller se coucher. Et je rentrais à l'intérieur, j'avais des boutons partout, c'était le feu. J'ai eu une rage dedans aussi en vacances. Les vacances. Je vois pas de moustiques. Il m'en manque deux. C'est moi qui... Ah, il y en a un là. Non, je suis avec vous. T'en penses quoi du jeu? Ah bah j'aime beaucoup. Bah un peu pratiqué, j'ai joué que 10 heures pour l'instant. Quelqu'un m'a envoyé. J'ai joué que 10 heures, mais pour l'instant c'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup déjà Monster Hunter à la base. Et j'aime toujours autant, c'est bien fun. C'est bien bourrin. Camp de retour, c'est Astera. Ouais, voilà, Astera. Ah oui, c'est ça qu'il me proposait à chaque fois. Petit. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, le coup de hache. Ça, c'est comme ça que je chasse les moustiques. Aka, t'es trop drôle. T'es le fun en barre. Mais non, il y a des retours. Oui. Oui. Et je suis sur Monster Hunter. Aka, t'es incroyable. T'as un humour. Wouh! Je suis impressionné. Et pour fêter mon retour, je vais me prendre une pause. Alors, je vais me prendre une petite pause de 5 minutes. Je vais aller ouvrir, voir s'il n'y a pas de la flotte partout en bas de chez moi. Et me passer un petit coup d'eau fraîche. J'aime voir, c'est la cour. T'es pas censé le faire. Bon, ça va, j'ai personne pour l'instant qui me regarde, mais... qui sait. Putain, ouah, j'ai des carapaces de Vespoïdes. Trop bien. Ouh. Et lui, il a Macalite et des os de Weaver. Macalite était pas utile. J'ai vraiment un palico de merde. Au niveau du palico de 10. Le palico, faut lui craft. Des armures. L'arme qui a de la paralysie. Elle est pas mal, mais je sais pas si tu l'as déjà. Ah, je sais pas si je l'ai déjà. J'ai pas trop avancé encore dans l'histoire. Donc écoutez, je reviens dans 5 minutes. YouTube, je vous fais des bisous. Cette VOD sortira un jour, je vous le promets.